Monsieur Cassagnetti, bonjour. Bonjour. Voulez-vous nous raconter la journée de, pas votre journée, mais la journée de votre entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, premièrement, c'est de installer le chantier, faire des protections. Donc le matin, vous êtes parti de Flémalle? On est parti de Flémalle à 6h30 du matin, oui. Avec le matériel. Oui. On a été chercher une pelle hydraulique sur le chantier, oui. À Droix. Et nous sommes arrivés ici, il était un bon 8h30, faire une installation de chantier, donc protéger les trottoirs parce qu'il y a des conduites de gaz, pour pouvoir mettre la pelle sur la route. Après, à ce moment-là, on a fait un briefing pour dire, tiens, on va faire comme ça, comme ça. En fait, nous, on a été réquisitionnés, c'est une mesure d'office. C'est une mesure, c'est une commande de la commune. De la commune, oui. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est de sécuriser le lieu. Oui. Je veux dire, on va reculer 10-15 mètres par rapport à la route. Pour sécuriser, pour qu'on puisse réutiliser la chaussée normalement. Réouvrir la route, oui. Parce que notre mesure à nous, c'est comme ça, quoi. D'accord. Quand on va juger qu'il n'y a plus de danger, oui. Ben, notre mission est terminée, quoi. Donc à mon avis, il y a encore demain et après, ce sera terminé. Et vous devez aussi sécuriser l'autre maison éventuellement. En fait, l'autre maison, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la séparer de celle qui a été oui. sinistrée, oui. Et la protéger contre l'humidité. Donc ça peut-être prendre un jour de plus par rapport à la grosse démolition. Et nous, on n'y va que rien du tout, on laisse tout sur le site. Quoi. C'est vous qui êtes chargé aussi de la sécurisation de l'autre maison, la c'est maison ça, à côté. Oui, nous allons la protéger avec un diba pour l'humidité. Quoi. Est-ce que les ouvriers ont rencontré des problèmes particuliers maintenant? Non, il est 15h, maintenant ils ont commencé vers 9h30, 10h, non, je crois. Non, pas du tout, non, parce qu'on savait déjà bien, on avait fait le tour déjà le samedi avec les deux chefs d'équipe. Donc on savait bien où mettait les pieds, et bon voilà. Et puis vous êtes une entreprise également, vous êtes habitué, une entreprise, d'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse et pour l'exactitude de votre travail, parce que j'ai regardé les ouvriers, ils travaillent vraiment avec précision depuis le matin. On essaye, ça se passe super bien. Bon, depuis des années, on a des bons éléments, donc... respecter les gens, voilà. Encore une chose, au point de vue électricité, enfin ça va, mais les bancs contacts et la télédistribution est coupée, c'est coupé. En fait, nous on a demandé une coupure aujourd'hui et oui. demain, oui. parce que bon, le câble qui était à terre, volant, pardon, et nous perturbait vraiment pour avancer assez rapidement, donc on l'a déconnecté, mais avant de retourner tout à l'heure, on va le rebrancher. Et demain, on le rebougera. Donc il y aura une coupure aujourd'hui, ce et qu'elle... Demain. Ok, d'accord. C'est parfait, je vous remercie beaucoup. Merci. Allez, bonne journée.